Bonjour à tous. Alors, j'ai le plaisir de vous retrouver pour notre baccalauréat. Et oui, le petit tag que j'ai créé du baccalauréat qu'on a commencé donc la semaine dernière, avec lequel nous avons commencé par la lettre N. Alors, je me suis dit que ça allait peut-être en fait être trop facile pour moi de choisir une lettre. Je veux pas qu'on vienne dire ouais, mais bon, t'avais choisi ta lettre, facile pour toi, patati patata. Donc, je vais vous faire voir qu'en fait, je joue au baccalauréat comme vous. Alors, j'ai plein de petits tampons comme ça, voilà, des petits tampons en silicone avec les lettres de l'alphabet. Et je me suis dit, ben, en fait, que j'allais m'en servir pour faire un tirage au sort. Alors, le truc, c'est que si je les mets d'un côté, ben, je vois le tampon, voilà. Et de l'autre côté, je vois la lettre. Alors, pour faire le tirage au sort, ben on va prendre la trousse de nounours. Voilà. Alors, je mets tout le monde dedans. Hop, voilà. Vous voyez, comme moi. Allez, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue. Hop, vous voyez, je regarde pas, je cherche et j'en prends une. Et donc, eh, regardez, c'est formidable. J'aurais voulu le faire, j'aurais pas réussi. C'est la lettre qu'on a fait l'autre jour, la lettre N. Non, mais je vous jure. Allez, hop, on recommence. Allez, c'est reparti. Je regarde pas. Hop, et. Oh, la lettre X. Oh, ça va pas être facile, la lettre X. Alors, je mets tout ça de côté, puis je vais les laisser dans la trousse, comme ça. Vous savez quoi? Je vais fermer. De ce côté-ci, c'est les lettres qu'on n'a pas encore fait. Voilà. Et de l'autre côté, la lettre N qu'on a déjà fait. Voilà. Voilà. Ça va être la trousse baccalauréat. Hop. La lettre X, allez-y, réfléchissez le temps que je m'installe. Donc, si vous n'avez pas fait le baccalauréat déjà avec moi et que vous voulez le faire, de toute façon, le baccalauréat, j'y participe. Donc, vous allez entendre les questions au fur et à mesure et vous aurez tout le temps de les noter. Pour pouvoir y répondre. Alors, hop, ouais. Donc pour faire le baccalauréat, voilà, je continue ce Diamond Painting hein, que je vais peut-être réussir à finir un jour. Hop. À la fin du mois de février, donc aujourd'hui nous sommes le 16. Je vous ferai un petit récap de mes activités. Parce que voilà, c'est pas évident. Je vous assure qu'avec le boulot là, en fait, je fais pas grand-chose le soir. Je fais un peu de point de croix. J'essaie, si je suis pas trop fatiguée, d'aller faire un peu de DP, mais bon, c'est franchement pas facile. Alors, donc quand je peux, je m'y mets. Donc, hop, toi, je te ramène vers moi. Donc mes bouteillons sont prêts. Hop, ma barquette avec toutes mes cochonneries. Hop, voilà, ça je m'en sers pas. Ça, je vais le passer dessous. Je le laisse pas sur ma toile parce que mes chats jouent avec. Et ouais, quand je suis pas là, les souris dansent. Et pourtant, c'est des chats. Hop, oh, bientôt falloir que je la change là. Pop, 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 pop. J'ai tellement picoté. Hop, voilà. Donc moi je suis prête. Donc on est bien d'accord, on fait la lettre X. J'espère que vous avez commencé à réfléchir parce que je sais qu'il y en a qui ont déjà participé à ce tag. Voilà, et j'ai pour certaines vidéos surtout ma soso. Elle nous a fait la vidéo avec son lapin. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. Ah, ils me font bien rire tous les deux. Mais bon.
C'est agréable, franchement c'est agréable. Voilà. Alors, ouais, ma mère est tata, elle prépare tout son petit matos. Hein, voilà. Elle fait ses tétas, elle met son papier. Hop. Qu'elle a encore foutu de travers, encore une fois. Mais je l'avais découpé ce papier-là. Attendez voir. Bah oui, non, mais je manquais qu'il n'a le plié alors qu'il est découpé. Moi, n'importe nawak. Bon. Alors, on est parti. Donc, il va vous falloir, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui veulent y participer, donc il va vous falloir un papier, un stylo et de quoi pouvoir noter 20 questions pour pouvoir y répondre. Et je tire une lettre de l'alphabet, on va faire l'alphabet complet, voilà, et je le fais tous les vendredis. Hop. Alors, moi pendant ce temps-là, donc je vais faire cette toile. Hop. Alors, on y va. Allez, c'est parti. La lettre X, n'oubliez pas. Hein. Je vais la laisser là. Là, comme ça, vous la voyez bien. Donc, la lettre X. Alors, un fruit ou un légume? Un xippopotamus. Ça commence fort. X. Un X. Alors évidemment, la vidéo peut être très courte, comme la vidéo peut être très longue. Voilà. Faut que le cerveau y réfléchisse. Hein. Alors. Un fruit ou un légume. J'en sais rien, moi. Ça se trouve, ça n'existe même pas. Je donne ma langue au chat. Zéro pointé pour moi. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, j'écoute vos réponses quand vous faites les vidéos. J'ai des personnes aussi qui m'ont envoyé les réponses dans les emails, mais franchement je fais pas de notes, hein. Voilà, c'est pas celui qui aura le mieux répondu que les autres, voilà, c'est l'histoire de s'amuser un petit peu, hein. Je fais pas de comptage, voilà, j'écoute bien vos réponses, mais je fais pas de comptage là-dessus. Alors, fruits et ou légumes, je ne sais pas. Ensuite, une ville ou un pays. Ouais. Je sens qu'on va être pas mal à bûcher sur cette partie. Franchement, la lettre X, une ville. Pff, voilà, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. bon, bah, zéro pointé. Hein. Un prénom. Bon, bah, je me doute qu'il ne va pas y avoir. Va y en avoir. Plusieurs personnes qui vont sûrement répondre comme moi. Moi, j'en connais qu'un, c'est Xavier. Voilà. Il y en a peut-être d'autres. Peut-être que j'aurai d'autres réponses dans les vidéos ou dans les emails. Ah oui, j'avais dit aussi sur Facebook. Pour ceux que ça intéressait. Si on est amis sur Facebook, vous mettez sur votre mur, vous me taguez. Voilà, vous me faites un hashtag ou un arrobase et puis que je vois que vous m'avez bipé et j'irai voir vos réponses. Ouais, Xavier, j'en vois pas d'autres. Un animal. Un xippopotamus. Hop, 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 hop.
Alors pour ceux qui vont connaître les noms en latin, ça va peut-être être facile. Alors moi, non, je trouve pas. Je ne trouve pas un animal avec la lettre X. Ensuite, c'est quoi? La numéro 5, c'est une fleur ou une plante? Ouais. J'ai pas tiré la lettre la plus pourrie de l'alphabet. Hein. Non, non. Ouais, je devrais vous mettre de la musique pendant les blancs, là, comme dans les émissions. Alors là, franchement, je sais pas. Je sais, ben alors pas du tout, du tout, du tout. Vous rendez compte qu'on est quand même à la cinquième question, j'ai qu'une réponse. Hein. En 6, un arbre. Ouais. Bah écoutez, c'est comme les fleurs, c'est comme les plantes, un arbre, un xocactus, je sais pas. Non, je passe parce que non, là, c'est même pas la peine. Numéro 7, une marque ou un produit. Une marque ou un produit. Mais qui c'est qui m'a mis des questions comme ça, hein? Franchement, une marque ou un produit? Bah moi ça va être une marque, tiens, du xylophène. Du xylophène, je crois que c'est une marque de peinture, si je me souviens bien. Je crois que c'est ce qu'on utilise quand on repeint le cabanon de jardin qui est en bois. Du xylophène color, je crois. Je crois. Oui, je crois que c'est ça, ouais. Ensuite. Un écrivain ou un cinéaste? Alors, ouais. Bah écoutez, ouais, je pense que les films qu'il a fait, ils sont pas mal. Hein. catastrophe. Alors, ouais, petite précision, hein, on va quand même faciliter le baccalauréat. Hein, quand on est sur les questions, voilà, avec un nom ou un prénom, perso, je m'en fous, quoi. Si c'est le nom de famille ou si c'est le prénom qui commence par la lettre, perso, je m'en fous. Hein. Vous mettez celui que vous voulez. Parce que j'ai entendu l'autre jour Nestor Burma, je crois, un truc comme ça, à savoir si c'était Nestor qui comptait ou si c'était Burma. Franchement, je m'en fous. Alors là, royal. Revenons à notre écrivain ou cinéaste avec un X. On sait rien. Je passe. Numéro, où c'est que j'en suis, moi? Numéro 9, un objet du quotidien. Ah, c'est sûr qu'on utilise tous les jours un objet du quotidien qui commence par un X. Ouais, c'est pour ça que je vais
me casser la tête à le chercher. Alors, tous les jours, j'utilise du quoi avec un X? Un objet du quotidien. Si, j'ai trouvé du xénon. Ouais, du xénon. Bon, j'avoue, je n'en ai plus. Quoique j'ai un doute. Normalement, le xénon, c'est ce qu'on trouvait dans les tubes cathodiques des télés. Et on a ça aussi au niveau des éclairages dans certains néons. Et au grenier, j'ai un néon. Et je ne sais plus si dedans, il y a du xénon ou pas. Mais ouais, ça pourrait être ça. Voilà. Après, ben non, mais pourquoi je vous dis du xénon? Ben oui, du xénon X. Ouais, ça pourrait être ça. Après, si c'est pas ça, hein, vous gênez pas pour me le dire dans les vidéos. Hein, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ensuite, avec la lettre X, un héros ou héroïne de film. Xena la guerrière. Oui, bah, de toute façon, je connais Xena. Alors, comme ça. Ah, ça pourrait être le prénom, ça, Xena, tiens. Ouais. Xena la guerrière. C'est vieux comme Hérode, le truc. Ensuite. Personnage historique. Un personnage historique. Je cherche, hein, je cherche. J'étais en train de chercher du côté des Romains. Très bien. Très bien des noms. Verchin, j'ai Torix. Non, ça marche pas, ça. Il est fixe. Bah quoi, il y a un X. Après, un course X. J'en sais rien. Je sais pas. Non, j'en sais rien. J'en sais rien. Je passe. Numéro 12. Un acteur ou une actrice. Un acteur ou une actrice. On sait rien. J'en sais rien, j'en sais rien. C'est vraiment la lettre de... Hein? Bon. Numéro 13, un aliment. Hey, c'est encore mieux, ça. Un aliment avec un X. Je sais pas.
Je sais pas, j'avoue que là, franchement, un aliment avec un X. J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Ah, là, c'est encore mieux. Une couleur. Couleur avec un X. J'en sais rien. Je passe. Un métier avec un X. Un xippopotamus. Non, ça n'existe toujours pas, ça. Bon. Je sais rien. Y a pas de couleur avec un X. Il y en a pas. Bon. Alors, ensuite, un métier. Un métier avec un X. Mais qui c'est qui m'a pondu ces questions, franchement? Non, non, va, non, en fait, les questions sont bien. Hein. C'est la lettre qui va pas. Un Xaviateur. Non. Je sais pas, moi. Je sais pas, je passe. On en est où? La numéro 16. Un fleuve ou une rivière? Je sais pas. Je sais pas. Franchement, le X. Le 17. Un jeu ou un jouet. Alors jeu, ça peut être des jeux de société. Hein. Voilà, je sais plus quand. Je sais plus qui c'était, qui savait pas trop si c'était bon ou pas. Mais ouais, jeux de société, les jouets. Voilà. Bon alors, vous essayez de m'en trouver un avec un X. Ah ben, un xylophone. Un jeu pour jouer de la musique, ouais. Un jeu ou un jouet pour jouer de la musique. Je sais pas si ça passe ou pas, mais bon, je dis un xylophone. Hein, voilà. Une partie du corps. Si on a ça dans le corps, ça doit faire très mal. J'en sais rien. Une race de chien. C'est encore pire. J'abandonne. Et une série télé. X-Men. Ouais, X-Men. C'est peut-être pas une série télé. Ah, mais c'était. Si, je crois qu'ils ont. Non. Si, je crois qu'ils en ont fait une série. Oh, je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Et nul, nul, nul sur ce coup-là. Mais nul. Complètement nul. Bon, ben voilà. Hein, on est arrivé au bout. Je sais pas quel courage vous allez avoir pour faire cette lettre-là. N'est-ce pas? Je vous souhaite beaucoup de courage quand même pour le faire, hein, parce que là, ouais, la lettre X, costaud quand même. Voilà.
Bon, eh ben écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser parce que j'ai encore une petite vidéo à tourner parce que j'ai été taguée. Voilà, j'ai été taguée par Jackie. Je vais faire ce petit tag. Et puis ça, vous aurez peut-être le tag dans le week-end ou dans la semaine, je sais pas. On verra bien. Voilà. Donc je vous laisse avec le baccalauréat et la lettre X, n'est-ce pas? Et moi je vous dis à bientôt et hâte de vous entendre. Voilà. Je vous laisse. Bye bye.